Bordel de merde! Faudrait qu'on recherche ou bien le sommet de cette Jedi de l'empereur Palpatine. Parce que déjà, je ne comprends pas d'écouter ce qu'il avait écrit parce qu'on est quelque chose de là. Ça va revenir la scène et la photo. Je sais pas pourquoi commencer les gens. Je suis fatigué. Le chiffre. Ah. Je suis trop mort. Il perd pas son temps. Alors. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel là. Bonjour. Ouais, bonjour les gens. Toujours à l'IRL, donc à la maison, en compagnie de Rétroviseur, de Chasseur d'étoiles 2.0, exact. De Ozzy Fluffabit, de Kreishi et de Pico Piro. Et de Yumi, voilà, et le chiffre du petit Cybertron Shiny est 13 000, 14 rencontres. Alors, juste avant, j'étais à côté de Pico, ben, je suis toujours à côté de Pico, et voilà, toujours. Et en fait, je dis que j'en ai marre, qu'il faut que ça tombe, et je sais pas si vraiment deux risottes ou trois risottes après. Moi, je dirais même pas trois. Même deux, moins. Deux, ouais, deux, j'ai l'impression que ça s'est enchaîné, clac-clac. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Vraiment. Voilà. Donc je suis assez choqué parce que je pensais vraiment pas à trouver ce soir. Et toi? Non, rien. Pourquoi tu veux l'appeler Oasis? Non, je comprends pas la couleur. On va y aller parce que franchement je suis trop cramé là, c'est incroyable. Bah, lui aussi il a l'air cramé, il a l'air frit dans du curry, tu sais, tu prends du bon calamar au curry, bien orange et ça te fait un peu ça. Mais si bon, je vous lance la petite sombre. Il est tout bleu. Il est pas dans le vent. Voilà. À la sombre, oh, quelqu'un critique. J'ai fait cracher l'intégralité de ma boisson que j'ai choisi. Ouais, oh, allez, c'est incroyable. Bon, mon cerveau est en train de fondre avant. Putain de bordel de merde. Bon, gros suspense, quel est son talent? Il est trop stylé. Il est trop stylé. Il est vraiment beau. Attends, ça enlève la pute, tiens. Ouais, attends. Putain, t'as une qualité de ouf avec le caméscope, c'est ouais. Dingue. Non, sur le rendu, sur le l'aperçu, tu vois rien. Tu vas voir en vrai comment c'est. Oui, c'est vraiment ouf, qu'est-ce qu'il fout. Putain, t'as un petit raccourci pour faire regarder. Oh, le sauvegarde avant. Ouais, je sauvegarde. Oh, c'est carrément incroyable. Oh putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, bien sûr, la date elle est pas bonne. J'ai gardé la date du début de la compétition. Je l'ai sûrement, logiquement. Alors les gens, il a vraiment gueulé comme un ouf. Hein. Il a vraiment hurlé. Bon, on verra la vidéo, non, le replay. Alors. Le replay. Hein. Allez-y pour les paris nature. Assuré. Ça remet. Bizarre. Malin. Demande de reparamétrer. C'est ça que tu changes à chaque fois. Ouais, moi je change à chaque fois. Hardy et bizarre. Bizarre. Oh, c'est notre idée. Bah, rigide, hein. Idée. Allez, rigide, allez, un petit rigide. Il a ventouse. Ah non. Oh, la loose. Ah non, il est plus des. Ah, il est malin. Non, non. Putain. Il a ventouse. Putain. Pico. Ventouse, ouais. Oh merde. Oh merde. Pico Piero, l'homme qui n'a pas trouvé Chani, le plus chanceux du groupe. Il a chance sur tout, sauf pour trouver. Allez, mais c'est pas un qui est. Bordel de motherfucker. Yes. Parce que moi je change à chaque fois. Oh putain, c'est vraiment une bonne info. Il m'a mis une tarte sans Shiny, putain. Allez. Ah là là. Putain, je sais pas quoi dire déjà. Premier. Je suis trop fatigué. Premier pari nature de mon IRL, je trouve la nature. Ouais. Dis bonjour. Bonjour, j'ai trouvé la nature pour mon premier IRL. Bonjour. Hello. Ouais. J'ai 18 ans. Oh merde, putain. Ah merde. Ah. Oh merde. Pas du tout. C'est bon. La petite rencontre dans les airs. Il est trop stylé. Un petit rond. J'ai pas dit quand tu enlèves ton rouillé. Ouais, bah oui. Ouais, ça. Merci. Je peux en avoir une deuxième, s'il te plaît. Ah putain, vraiment trop. Ouais, il va exploser le rondoudou, bordel de merde. Ah non, le rondoudou, s'il fait, il va l'exploser lui. Ah bah non. Putain, il est vraiment classe, hein, franchement. Oh mec, l'apparition des étoiles. Il est vraiment. Il se sera passé des choses dans cette vidéo, les amis. Il flotte, il est vite, il se téléporte. Enfin, tous les Pokémon se téléportent. On dirait un mage. Ouais, il est vraiment. Il a un côté un peu Lovecraft, tu vois. Ouais, vraiment, il est vraiment magnifique. C'est Cthulhu. Est-ce qu'on le petit gosier? Allez, orange. Non.
Bon, allez. Tu fais des Pokémon cuits au curry. C'est nous. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus, les gens. Allez, au revoir, les gens. Bisous. Bisous. À la prochaine.